Mag est une présentation de E-Wall. Activez la chaleur. Merci à destination BC Supernatural British Columbia et Tourisme Fernie. Nous poursuivons notre visite des plus belles montagnes de la Colombie-Britannique et nous nous arrêtons à Fernie. La température demeure froide, mais la neige est au rendez-vous. Ici, ce n'est pas moins de 12 mètres d'or blanc qui tombent chaque année. Bien, Michel, on a été souper il y a 6 ans. C'est vrai. Ça fait quand même longtemps, mais je me souviens de plein de choses, mais quand même 6 ans, là, ça fait... Excuse-moi, j'entends parler français. Bonjour. Oui, ben oui, on parle français. Ben oui, Cathy de Sherbrooke. Ben oui, c'est ça, de Sherbrooke. OK, bye-bye, enchantée. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que tu skis ici souvent? Oui, ben moi, ça fait 24 ans que j'habite à Fernie. 24 ans que tu skis ici? Oui. Puis, t'es-tu une bonne skieuse? Bien, j'ai appris à skier quand j'avais 2 ans. Ah, puis, je travaille pour l'école de glisse. Fait OK. Que, oui. Niveau 1? Niveau 3. Niveau 3 en plus? Oui. Hey, Miguel, qu'est-ce que t'en penses? Excuse-moi, Cathy, on aurait besoin peut-être de quelqu'un pour nous guider sur la montagne. Serais-tu disponible demain? Oui, je suis disponible demain. Ça donnerait bien. Oui? Ben super. Écoute, moi, mon nom, c'est Michel. Cathy, enchantée. Bonjour. Et Miguel. Miguel, salut, Miguel. Et puis, on ferait des images sur la montagne. Puis, on aimerait ça. Tu pourrais nous faire découvrir ta montagne. OK. Moi, je connais la montagne super bien. Fait qu'on se rencontre ici à 8h45. 8h45. Presque. Hey, bien, super. Okay. Hey, ça donne ciao. Super bien. Okay. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne soirée. À demain. Ciao. Bye. Offrant plus de 2500 acres de terrain skiable et 142 pistes nommées, Fernie est un véritable terrain de jeu hivernal. Il faut bien sûr mettre en vedette les 5 bols ouverts qui invitent à laisser vos propres traces. En demeurant ski in, ski out, on est prêt à partir avec Cathy dès l'ouverture de la chaise. À cause du froid, ce n'est pas toute la station qui est ouverte, mais on va trouver du terrain intéressant à skier. Une chance, le soleil est au rendez-vous. Ça fait du bien de sortir puis skier. La neige est un petit peu collante, mais c'est quand même bon. Ça va faire un bon réchauffement. Bonjour, Fernie! Michel, comme dirait Glenn Blake, maximum is a good minimum pour les fixations. Hey! T'as-tu échappé quelque chose? Ah, c'est ça que t'as trouvé, merci! Ben oui! J'avais perdu! C'était là-bas! Alors, c'est notre deuxième télésiège. Qu'est-ce qu'on a pris là, comme premier télésiège? On a pris le chairlift Elk. On a descendu la piste Lower Bear, puis là, on est sur le télésiège, sur le Bear Chairlift. Alors ça nous ouvre là, vers un des 5 bowls vers lesquels on se dirige. Oui. Puis aujourd'hui, on va skier probablement dans le Lizard Bowl. Puis là, on a beaucoup de très belles conditions. Il fait froid, mais beau soleil, la neige va être super. La neige glisse quand même. C'est surprenant. On a une bonne glisse sur le damier. On a une bonne glisse. Puis je pense qu'on a beaucoup de neige. On va peut-être avoir une couple de face shots. Mais toi, Cathy, t'es pas née ici. Là. Tu viens pas de Fernie. Non, moi, je viens de Sherbrooke. J'ai appris à skier au Mont-Bellevue. Puis j'ai fini l'université en 86. Puis j'ai toujours skié toute ma vie. Puis, je travaille à temps partiel avec l'école de ski. Et mon autre boulot, c'est que je travaille avec le British Columbia Conservation Foundation. Et j'ai travaillé avec des projets de recherche pour les eaux grizzly, puis aussi éducation de wildlife awareness and safety. Wow! Alors donc, t'es pas juste une ski bum? Non, un ski bum professionnel. Ça me permet de boire plus de vin et de manger plus de chocolat. Puis l'été, qu'est-ce que tu fais? Je fais du télétravail sur l'île de Vancouver. Fait que je travaille le matin. Quand le vent se lève l'après-midi, je fais du kitesurf et du wingfoil. Wow! Oh, wow! Oh, 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 la belle poudre! Oh, c'est beau, ça! Oh, avec le beau soleil! Wouhou!
Miguel, je pense qu'il y a du fun, là. Wow! Ouais, là, je pense qu'il y a du plaisir. Là. Quand il y a des arbres, si c'est à pic, s'il y a de la vitesse, s'il n'y a pas assez de vitesse, il va essayer d'en trouver. J'adore ce qu'il y a avec lui parce qu'on a des styles qui sont très différents. Oui, c'est très, très différent. Alors, j'avais quand même pas mal de traces fraîches, là. Puis mon Matt, il a fait ça comme un champion. Oui, le caméraman a réussi à skier à côté de Michel durant toute sa descente. Hey, Cathy, c'est magnifique en arrière, le paysage. Qu'est-ce qu'on voit, là? Ben là, ça, on voit Mount Fernie en arrière, puis c'est les Rocheuses du Sud. Alors, c'est les Rocheuses ici, là. Oui, on est vraiment oui, dans les Rocheuses du Sud. On est à 3h20 de Calgary. C'est ça. Et puis, donc, on voit vraiment là, le terrain changer là, entre les plaines de l'Alberta et puis les Rocheuses là, du Sud de la Colombie-Britannique. Puis, est-ce qu'on peut skier ça? Oui, ça, c'est le Cedar Bowl, ici. Tout en arrière, tu vois les pentes au soleil avec les arbres. Ça, c'est Snake Ridge. C'est mon endroit favori. Alors, normalement, j'espère que demain, ils vont faire un petit peu plus de contrôle de l'avalanche. On va peut-être pouvoir aller skier dans les arbres au soleil. Alors, ça, c'est, et c'est du terrain qui nous amène là, dans le bol. Et puis après ça, pour remonter, je pense qu'il y a, un platter lift. Oui, on prend le Hallback T-Bar. Puis après ça, le Boomerang Chair. C'est à pic qu'il y a des arbres. Ah. On décide de demeurer sur le Lizard Ball pour une autre descente au soleil. On a repéré une piste où il reste de la neige. Les Alpes, 12 saisons. Les Alpes? Oui, surtout basé à Chamonix. Moi, j'aime bien skier la pique. Puis c'est ça aussi. If it's not scary, it's not fun. J'aime bien ça quand c'est à pique, c'est serré. Oui, parce que Chamonix, là, c'est vraiment du gros ski. Est-ce que tu faisais là, des couloirs, des choses extrêmes? Oui, on faisait tous les couloirs. Puis j'ai skié beaucoup avec des guides de montagne. Puis j'ai vraiment appris à skier le terrain à pique. Mais ce que j'aime à Fernie, c'est vraiment, là, c'est très social, c'est le fun, on a les bonnes conditions de neige. Puis ce qui est dans les arbres, dans la poudreuse, c'est fabuleux. As-tu déjà fait des compétitions? Oui, j'ai fait des compétitions dans le temps, ça s'appelle Free Ski Comps. Des Free Ski? Oui, c'est ça. Fait que t'as un start gate, finish gate, puis tu descends la ligne de pente le mieux possible, le plus à pic possible. Mais ça prend du courage, ça. C'est des falaises, ça, là. C'est des falaises, c'est du terrain à pic, puis ça fait peur un petit peu, mais c'était le fun. Mais là, maintenant, je suis contente à Fernie, on skie un petit peu plus relax, on skie la poudreuse avec nos amis, c'est super. Restez là. Depuis Fernie, Ski Mag revient tout de suite.
Oui, madame! Ouais, ouais. Ah, c'est plaisant, ça! Oh, quelle belle journée! Fernie offre quelques endroits en montagne pour dîner. On opte pour le Grizz Lodge. On se réchauffe aussi pour mieux repartir. Are you by yourself? Sure, yeah. Wow, good skiing, hein? Good skiing! Je te reconnais, toi! Ah, tu parles français, toi, en plus. Oui. T'es pas de ski mag, toi? Oui, on est ici faire une émission. Non, oui! Vous avez pris tout un temps? Oui, c'est un peu froid, mais la neige est belle quand même. La neige est tellement belle à Fernie. Et toi, t'es en visite aussi? Non, moi, j'habite ici. Écoute, c'est mon petit coin de paradis. Mais faut pas en parler. C'est-à-dire que tu es expatrié du Québec? Oui, c'est ça. J'habite maintenant à Fernie depuis 10 ans. Ah oui? Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis prof à une école française à Fernie. C'est une école publique, en fait, française à Fernie. C'est une toute petite école qu'on parle français à tous les jours. Et puis t'es ici là, avec qui? Avec la famille, des gens? Ou... Ben moi, en fait, je suis partie du Québec, puis je suis venue skier dans l'Ouest, puis Fernie a gagné mon cœur. Et puis maintenant, j'ai maintenant deux enfants, puis on est d'une famille de skieurs dans l'Ouest. J'ai grandi sur des skis, et puis l'amour du ski fait qu'à chaque fois que j'ai une journée de libre, en fait, je suis en ski. Donc, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. T'aimerais-tu faire une descente avec nous? Hey, j'aimerais ça! Hey, j'aimerais beaucoup ça. Michel? Michel, enchanté, Marie-Christine. Salut, Marie-Christine. Alors, on va faire une descente ensemble. Super! J'aime trop ça. C'est tellement vaste, Fernie. On sait plus où aller. Où est-ce que tu m'amènerais? Easter Bowl! On s'en va, il reste de la neige. Par là-bas? Oui! OK, je te suis. Bonne chance. On y va! Easter Bowl. Pour accéder au Easter Ball, on doit reprendre la chaise Bear. On va avoir passé la journée dans le secteur Lizard sans jamais refaire la même trace. Écoute, même mon frère est rendu dans l'Ouest. On est tellement rendus des amoureux du ski de l'Ouest canadien. Écoute, tu ne devineras jamais qu'est-ce qui est arrivé. Moi, quand je me suis mariée, OK, ben mon frère puis la sœur de mon chum se sont rencontrés. Maintenant, c'est même rendu un couple aussi à Kenmore avec deux enfants. Fait que tout le monde est rendu skieur, tout le monde est rendu dans l'Ouest. Alors, la famille maintenant qui est au Québec, ben ils viennent nous visiter puis... ça leur donne un prétexte de venir plus longtemps. D'ailleurs, mon père et ma mère sont ici pour un mois. Ils sont arrivés en même temps que la neige et le froid. Marie-Christine nous suggère de traverser plus loin pour une ligne de neige fraîche. Ben Marie-Christine, merci d'avoir skié avec nous. C'était super le fun. Ben merci. Je suis enchantée de te rencontrer. Merci. Puis tu te regarderas à la télévision. Ben certain. À la prochaine. Après la pause, la chronique équipement l'accordée.
La chronique équipement présentée par Lacordé, votre spécialiste plein air depuis plus de 70 ans. Un GPS portatif, c'est une très belle invention, mais c'est pas donné, puis aussi c'est un appareil de plus à porter dans son sac. Pourquoi est-ce que je devrais pas prendre mon téléphone intelligent ou même ma montre intelligente? Il y a plusieurs caractéristiques qui vont les différencier, notamment la capacité de résister à des températures froides. Une montre de marque classique, intelligente, ça va résister à peu près de 0 degré Celsius à 35 degrés Celsius, alors que des GPS dans le genre de ceux qu'on a aujourd'hui, ça va être plus de moins 20 degrés Celsius jusqu'à 60. Moins 20 à plus 60? Oui, exactement. Donc, un énorme écart de température, c'est impressionnant. Oui, vraiment. C'est ça qui caractérise entre un téléphone versus des GPS dans ce genre-là. Donc aujourd'hui, on a deux modèles de GPS à te présenter. On va avoir le GPS Map 67i et le Etrex SE. Donc pour le Etrex SE, c'est vraiment un GPS et une boussole électronique. Donc ça va avoir une précision beaucoup plus grande qu'un téléphone cellulaire. Aussi, une charge de batterie beaucoup plus longue. Et celui-là, il se recharge avec les petites batteries Dura, ce qui fait qu'on peut vraiment entraîner avec nous pour que dans toutes nos expéditions de ski, de randonnée, on ait vraiment l'option de le recharger en cas de besoin dans des situations qui pourraient être plus extrêmes ou dangereuses. Ou une randonnée qui s'allonge plus qu'on voudrait. Exactement, oui. Ça donne vraiment l'option, au lieu de devoir le brancher à chaque fois, juste pouvoir remettre des batteries qu'on pourrait traîner pour une lampe frontale ou n'importe quel appareil électronique. Est-ce qu'on a besoin de réseau à ce moment-là? Pour celui-là, il n'y a pas de réseau inclus. Donc, c'est vraiment pour se repérer en forêt. Il y a aussi un système qui s'appelle le TrackBack qui fait que quand on va se déplacer, il va suivre nos coordonnées, ce qui fait que si on se retrouvait perdu à un moment dans la randonnée, on peut faire inverser le chemin et donc retrouver notre point de départ de cette façon-là. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'un GPS qui aurait du réseau, mais ça donne une sécurité de plus que seulement un téléphone ou une montre intelligente pourrait avoir. Donc, des appareils beaucoup mieux adaptés là, pour des vraies sorties d'arrière-pays. Alors, si le modèle plus abordable de Garmin répondait pas à tous mes besoins, il y a quand même des options là, beaucoup plus sophistiquées. Oui, exactement. Sur le marché, on voit beaucoup en ce moment des communicateurs satellites. Donc, qui permettent non seulement de savoir où on est, mais aux autres de savoir où on est. C'est des appareils qui sont connectés chez Garmin, par exemple, avec le réseau Iridium, qui est un réseau satellite de 66 satellites autour de la Terre, qui permettent de constamment avoir une connexion avec l'extérieur quand on est dans l'arrière-pays. Alors, non seulement ça me dit où je suis, mais si j'ai un problème, là, à ce moment-là, je suis capable d'appeler du secours partout dans le monde. Oui, exactement. Chez Garmin, il y a l'abonnement InReach qu'on peut prendre qui permet de se connecter plus facilement avec le monde extérieur puis d'envoyer un appel SOS dans le cas où on serait mal pris là, dans l'arrière-pays. Alors, définitivement, là, c'est beaucoup plus poussé là, que juste un téléphone intelligent qui pourrait mourir à cause du froid, comme vous avez parlé, mais aussi avec les options de sécurité, les options beaucoup plus poussées. En effet, il y a plein d'options qui sont importantes de discuter quand on magasine un appareil comme ça. C'est pour ça que c'est important de venir nous voir en magasin pour qu'on en jase justement de ces appareils Garmin-là. Alors, en fonction justement des besoins de la personne pour trouver là, la bonne solution pour la sécurité et pour le plaisir aussi. Oui, exactement. Merci à vous deux. Merci. Alors, les gars, avez-vous encore d'énergie pour faire du fat bike après une bonne journée de ski? On est prêts! Super! Est-ce que vous avez de l'expérience? Moi, pas tant que ça. OK, bien, avec l'école Le Glisse, on peut amener les débutants à faire une introduction. Et si vous avez de l'expérience, on peut vous coacher en fat bike. Est-ce que c'est une grosse destination, Fernie, pour le vélo? Oui, on a beaucoup de pistes. On a une vingtaine de pistes pour faire du fat bike en ville. C'est très bien. Toutes les pistes sont entretenues pour le fat bike. Et là, la piste qu'on va faire, c'est celle ici autour de la station? Oui, c'est une boucle de 8 km. Ah bien, parfait. Alors, 8 km, on te suit. OK, on est prêt? Oui. Alors, let's go! On s'habitue vite au vélo, c'est vraiment plaisant.
J'étais habillé un peu chaudement au début, mais on se réchauffe vite, hein? Quel bel exercice! Oui, ça fait du bien. Après une bonne journée de ski, on finit avec du fat bike. Oui, on va être bon pour souper, là. Oui, vous allez au cirque pour l'après-ski ce soir. C'est très, très beau. Alors, bon appétit puis bonne soirée. Merci, Cathy. Un gros merci hein, pour ton accueil, là. Ça a été gentil là, de nous faire découvrir ton Fernie. Puis bonne fin de saison. Super. Bonne fin de saison, vous aussi. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de séjour à Fernie. Ciao! Michel, un petit cocktail au Ice Bar, ça te tendrais-tu pour ça? Un cocktail au Ice Bar. Miguel, oui? T'es sérieux, là? Question de se réchauffer un peu. On a passé la journée à moins 35. J'avais les dents serrées toute la journée, puis tu veux qu'on aille au Ice Bar? T'es sérieux? On va aller se réchauffer à moins 5. Ah, ben OK. Ben, c'est, ouais, vu de même. Situé dans le Lizard Creek Lodge, le cirque est une expérience gastronomique en soi. Un cadre exquis, un décor sophistiqué, l'accent mis sur les ingrédients les plus fins et les plus frais rendent les repas au cirque vraiment mémorables. Ensuite, enfilez les parkas Helly Hansen et entrez dans le Ice Bar. Vous serez entièrement immergé dans une expérience exaltante de dégustation de vodka. Vous dégusterez une gamme de vodka du monde entier, notamment la vodka Crystal Head fabriquée au Canada. Vous n'aurez jamais goûté une vodka comme celle-ci. Alors, on explique qu'il fait moins 12 ici, puis la raison pourquoi il faut qu'il fasse moins 12, parce que notre sens du goût est 80 % par notre odorat, et l'odorat à moins 12 change le goût de la vodka. Alors, peu importe, moi, j'ai le goût de l'essayer. On prend celle-là, finalement. Hey, c'est glissant, c'est glissant! Cheers! Dans notre prochain épisode, on demeure sur Fernie et on skie avec le patrouilleur québécois Gabriel. Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945. Merci à nos nombreux partenaires. SkiMag vous a été présenté par eWool. Activez la chaleur. SkiMag a été rendu possible grâce à Supernatural British Columbia, Destination BC et Tourisme Fernie. Hey Miguel, ouvre-en pas une avant moi. Hey, cheers Miguel. T'es un tough.